Le terrain devient boueux. Les flaques d'eau visibles de tous les côtés, du caniveau méconnaissable, certains murs de clôture environnantes sont attaqués par le débordement des eaux. Une partie de la route Mushima, sur son tronçon compris entre Istem et route Bypass, est dans un état piteux. La situation procure des sueurs froides aux usagers. Mais sinon, situation, hein? Les véhicules s'embourbent à tout moment. Des cas d'accident sont enregistrés. Parfois, le cortège funèbre crée des bouchons. Après la pluie, avec tout ce qu'on a mis comme digue et la construction des murs de clôture, l'eau n'a plus d'issue. À chaque tombée de pluie, les véhicules connaissent des pannes sur cet endroit. La route a pris des allures de mélasse. Le passager et le riverain s'interrogent sur l'inaction du gouvernement provincial. Jusque-là, nous n'arrivons pas à comprendre. L'autre fois, le ministre provincial des infrastructures était venu s'enquérir de la situation, mais rien n'est fait. Et même les agents de l'OVD sont déjà passés par ici. Les autorités nous ont oubliés. Regardez comment les véhicules s'embourbent. Entre lassitude et espoir, ces habitants appellent les autorités à prendre des mesures urgentes pour décanter la situation. À présent, les autorités doivent prendre des mesures urgentes. Même s'il y a d'autres projets, elles doivent d'abord décanter ces problèmes. En tout cas, c'est compliqué. Que les autorités nous viennent en aide. Beaucoup d'autres avenues secondaires de la cellule Golf System sont impraticables, si notamment l'avenue Bonkia, transformée en un lac artificiel.